yeux, regarde bien. Je vais me faire démonétiser. Les amis, écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Connaissez-vous bien. Ça fait un petit moment quand même que je l'avais pas fait. Je le rappelle encore une fois pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que ça pourrait être un Connaissez-vous bien. On va faire aujourd'hui un quiz sur un certain thème de manga. Aujourd'hui ça sera sur Shaman King. Et oui, j'ai pas choisi le plus récent des animés, des mangas. Et les plus anciens pourraient s'en souvenir. C'était juste un truc génial. Donc voilà, en fait, je vais répondre à un quiz donc de difficulté difficile. Attention, j'ai pas choisi le plus simple, de 10 questions sur donc l'animé de Shaman King. Donc je crois que ça regroupe animé manga parce que attention, ce n'est pas pareil et bah j'ai regardé que l'animé. Ça serait trop facile. Moi j'ai tout dit. On est parti. Alors, question numéro 1. Qui a failli tuer Yo Asakura pendant la première manche du tournoi? Déjà, il y a une faute. C'est pas le, c'est là. Alors, nous avons le choix entre Rentao, Orooro ou Fauste 5, 6, 7, 8. Ouais, les chiffres romains, c'est pas ouf. Je me souviens qu'il y a un tournoi, c'est ultra vieux. Je ne l'ai pas dit, mais ça doit faire 8 ans que j'ai pas vu l'anime. Non, attendez, je dis des conneries. 9 ans, 10 ans que j'ai pas vu l'anime. Ok, on fait travailler la mémoire. Alors, qui a failli tuer Yo Asakura pendant la première manche du tournoi? Je crois que c'est Ren. Désolé pour ceux qui sont absolument fans de Shaman King. J'ai été fan, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé ça. Là, c'est vraiment la mémoire la plus profonde de ma tête qui essaye de jaillir tout doucement. C'est grave chaud. Pour la question numéro 2. De qui Manta, le meilleur ami de Yo, a peur? Nous avons le choix entre Orooro, Ryu ou Faust. Ça, je me souviens, je m'en souviendrai toujours. Et si je me trompe, bah j'aurai tellement honte. C'est Faust. Je me le rappelle parce que vu qu'il a un aspect de zombie, il flippait tout le temps. Il semble à un moment, il l'avait capturé, Faust, je crois, dans l'animé. Donc pour moi, la réponse, c'est Faust. Pour la question numéro 3. Dans le volume 5 de Shaman King, Faust croit que Manta a un problème au saut, qu'il est né tout petit ou le thorax mal formé. Ça me parle vaguement. J'hésite entre un problème osseau et qu'il est né tout petit. Bah né tout petit, non, c'est con, c'est... De base, il est né petit. J'hésite de fou. Oh, les souvenirs. Un problème osseau, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus logique. Question numéro 4. Qui fait subir des entraînements à Yo Asakura? On a le choix entre Rentao, Orooro ou Anna. Ça, je me souviens, normalement, c'est Anna qui lui a fait un gros entraînement. Je crois que c'était pour le gros tournoi, je crois, quelque chose comme ça. La mémoire. Donc pour moi, c'est Anna qui avait fait subir tous ses entraînements. Je me souviens plus trop pourquoi, mais je sais que même il était rentré dans une grande grotte pendant je sais plus combien de temps. C'est des bribes de souvenirs hein, dont je vous parle. Pour la question numéro 5. Sur l'image que vous voyez, qui est en train de mettre Yo en colère? Lizerg, Faust ou Rentao? Déjà, il a une tenue d'entraînement. Donc, je dirais c'est pendant un grand combat. Je dirais Lizerg. Ça me parle très vaguement. très vaguement. Rentao, il me semble pas, et Faust, je ne crois pas. Ça se trouve, j'ai dit la pire des conneries, parce que je crois qu'il s'est battu contre Faust à un moment. Mais je sais qu'il y a eu un gros truc avec Lizerg, Lizerg qui était gentil, après il part chez les méchants, un gros délire là-dessus. Je dirais Lizerg. Question numéro 6. Quel est le couple plus génial de Shaman King? Yo et Anna, Ren et Pilika, ou Yo et Manta? Pour moi, le vrai couple, qui n'est pas un vrai couple, mais qui est un couple à la... Enfin, qui est un couple forcé, c'est Yo Anna, parce qu'il me semble que Anna doit se marier à Yo. Je sais plus ce qu'il y a eu, un délire comme ça. Il me semble... Pour moi, c'est Yo et Anna. Question numéro 7. Dans les volumes 13 de Shaman King, qui voit Faust en train de chanter? Rentao, Manta ou Yo Asakura? Aucune idée. Volume 13, Yo Asakura, Ren, peut-être Manta? Parce que je sais qu'après, normalement, ça va mieux entre Manta et Faust. Peut-être que c'est Manta, et du coup, ça l'a calmé en disant « Bon, il a pas l'air si méchant, il chante pas trop mal !» J'hésite entre Manta et Yo. Ah, ça m'énerve. Bon, tant pis, on va mettre Manta. Ça m'énerve. Question numéro 8. Où Yo rencontre-t-il Lizerg? Dans une petite ville, en campagne, ou dans une maison ou hôtel? Ouah, j'ai grave du mal, c'est mal écrit. Excuse-moi, je sais plus qui avait fait ce quiz. T'as pas marqué dans une petite ville, t'as marqué « Na une pate ville ». Prends ton temps quand t'écris. J'en ai aucun souvenir. Je crois que c'est dans une petite ville. Je dirais dans une petite ville, ça me parle vaguement. Ça se trouve, c'est pas ça. Ça se trouve, je vais avoir une bonne réponse. Ça se trouve, je vais en avoir zéro. Et pour moi, c'est dans une petite ville. Question numéro 9. Est-ce que Faust a rejoint le groupe de Yo? Oui, non, on ne le sait pas. Alors, deux têtes, deux mémoires, attention. Ouais, pour moi, oui. Oui, parce qu'à un moment, genre, il était... Je sais plus si c'est contre Yo ou avec Yo. Son esprit, c'est une infirmière et elle devient géante, il me semble. Donc pour moi, c'est oui. Question numéro 10. Et la question finale, tout simplement. Dans le deux manches du premier... On va essayer de bien lire. Dans la deuxième manche du premier tour, qui a pris Manta en otage? Rentao, Faust ou Silva? C'est Faust! Ça, il me semble que je m'en souviens fortement. Il a pris Manta en otage. C'est ça que je parle en plus, je crois. On va voir les résultats. Attention, pour moi, je donne sur 10, minimum 5. Sinon, je serais vraiment mal. Un bon quiz, là, et je serais le plus heureux des hommes, ça serait un 7. Si j'ai plus que 7, mais alléluia. Mais vraiment, c'est un truc de ouf. Attention, résultat. Ah, c'est mitigé de ouf. Plus que la moyenne. Moins que mon objectif.
plus que la moyenne. 6 sur 10, c'est pas négligeable non plus, hein. Je suis un peu déçu, mais je suis content en même temps. Pour la question numéro 1, c'était Faust 8 qui a failli tuer Yo Asakura. Oh, je suis déçu. Pour la question numéro 2, c'était bien Faust que Manta, le meilleur ami de Yo, a peur. Pour la question numéro 3, dans le volume 5 de Shaman King, Faust croit que Manta a un problème aux os. Yes, je me disais bien. Alors, ça me disait vraiment vaguement quelque chose. Pour la question numéro 4, c'est bien Anna qui a fait subir les entraînements à Yo. Pour la question numéro 5, on a eu Faust. C'était Faust sur l'image qui a énervé Yo. Pour la question numéro 6, c'était Yo et Manta, que le couple le plus génial de Shaman King. Mais c'est pas un couple. Dites-moi en commentaire quel est le couple le plus génial pour ceux qui ont regardé Shaman King. C'est complètement personnel surtout. Yo et Anna sont, doivent être en couple de base à la fin. Pour la question numéro 7, c'était bien Manta dans le volume 13 qui a entendu Faust chanter. Pour la question 8, c'est bien... Ah non, c'est pas bien dans une ville, c'est dans une maison. Pour la question numéro 9, Faust a bien rejoint l'équipe de Yo. Je me disais bien aussi, j'étais pas sûr mais... quand même. Et pour la question finale, c'était bien Faust qui a pris Manta en otage. Bah écoutez, je suis plutôt content de ce quiz. N'hésitez pas à me dire combien vous avez eu à ce quiz. C'est pas dégueu. Franchement, pour quelqu'un qui a regardé l'animé il y a 9-10 ans, quand même, je suis plutôt content. Vraiment. Donc voilà les amis, écoutez, on va se laisser là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Voilà, un petit connaissez-vous bien. N'hésitez pas à voir les anciens si ça vous intéresse. Et puis les amis, écoutez, vous connaissez la musique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à dire en commentaire. Un petit pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait en mettant la petite cloche. Et puis à me suivre sur Twitter et Insta. Et puis moi je vais vous dire à la prochaine pour une vidéo. Et comme d'habitude, bye. Placing on the track, boy.